gorge. Et je commencerai donc. En bout de lice, un homme forgé dans la droiture, la fierté et l'honneur. Grand champion du tournoi de Saint-Georges et aimé de tous ici. Et j'ai nommé Sir Alexandre de Saint-Georges. Et j'ai nommé, c'est Richard de la Tour! Oh. Oh. Richard! Et on l'a vu, quelqu'un. Dieu sera lui guider le droit chemin. Et l'adresse de sa lance, et j'ai nommé Dame Gabrielle de Foy. Gabrielle de Foy est très aimée Gabriel. Ici au tournoi. Elle a le cœur du public de sa beauté. Sir Jesse D. Dufresne! Oh. Un nouveau venu dans les tournois et qui a su se démarquer grâce à son adresse et sa fougue. Pérer ses émotions. Hier soir, Gabriel me confiait qu'elle se vengerait aujourd'hui de Messire de la Tour. Ma foi, beaucoup veut se venger de lui. Une autre belle frappe pour Dame de Foy. Et là, William qui s'en va bredouille. Dame de Foy, on l'applaudit. Très belle performance. Elle est en pleine forme. Et ma foi, alors William a du mal à trouver son rythme. Ou peut-être que les plumes sont rentrées à l'intérieur de son home. Dame de Foy raterait Lord William et que Lord William la désarçonnerait. Elle est en très bonne posture pour remporter cette manche. Pas de rapport. Gabrielle de Foy. Attendez, attendez. Un faux départ, c'est des choses qui arrivent. Faux départ pour Lord William. C'est parti! Oh! Et Lord William rate encore! Et Dame de Foy a-t-elle frappé les crachés? Je crois que oui, donc, une manche parfaite pour Dame de Foy qui remporte la victoire! Félicitations! Donc, on va prendre le bâton de mesure. Désolé, Dame de Foy, Lord William a le droit de par les règles de faire vérifier votre selle. Malheureusement, effectivement, alors William, vous avez raison, sa selle est trop grande, mais quand même, ce n'est pas ça qui fait que Dame de Foy joute mieux quand même. Un chevalier a le droit de faire amende d'une loi, mais par bonté, vous pouvez, vous, lui accorder la victoire. Donc, selon les règles, si vous acceptez que sa selle soit conforme, elle peut quand même avoir sa victoire. Il refuse. Il refuse. Donc, malheureusement, et sachez, Dame de Foy, que j'en ai le cœur pété. William part vainqueur! Il est impartial, ce Lord William. Ils sont prêts? Il se lance! Oh, une très belle case des deux côtés. Donc, 3 points pour les deux chevaliers. Pierre Alexandre semble heureux.
C'est parti, que Dieu vous garde. Une très belle casse encore des deux côtés. Et ma foi, sur la tour, à une telle vitesse, manque sortir de la lice. Très bon passage, nos chevaliers. Hop! C'est parti.